c'est maintenant que commence le vlog. On est à l'entrée de Disneyland. Le Mickey Halloween est bien d'être fait. Il est juste magnifique. J'espère que ça vous plaît. Allez, on va aller maintenant visiter le parc et on va discuter de tout ce qu'il y a à voir et à manger. Allez, suivez-moi. Quelle magnifique décoration que l'on retrouve tous les ans. C'est toujours pareil, mais ça fait toujours autant plaisir. Waouh! Vous allez voler.
to park. Les amis, on est arrivé au Cowboy Cock Out et ceux qui me connaissent savent très bien que c'est mon endroit préféré dans Frontierland pour manger. Et ils ont sorti le menu Halloween, le menu malicieux à 22 euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce menu? Regardez avec moi, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, ça va. Donc, il y a le burger. C'est un bun, alors avec du steak haché de bœuf, ketchup de carotte, pickle de carotte, betterave et oignon rouge, fromage Pepper Jack, ça c'est très bon, et sauce cheddar Jalapeno. Ça va être un petit peu piquant, mais je pense qu'ils vont pas le faire trop piquant parce qu'il faut que ce soit mangeable par tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui aiment pas trop le piquant, donc frites ou salade. Et puis le dessert, malicieuse illusion. Donc c'est un petit gâteau à la mandarine et au chocolat blanc. À mon avis, ça doit être léger et très fondant. Voilà, donc on va tester ça. Allez, c'est parti, let's go. J'ai vraiment faim en plus. J'adore la déco de ce restaurant en plus et son histoire où chacun à l'origine devait amener sa propre chaise. Et voilà, parlons. Moi j'adore ce restaurant. Puis bon, d'habitude je prends toujours l'assiette du shérif qui est un grand classique et qui a toujours été vraiment super bien pour toutes les occasions dans l'année. C'est l'assiette du shérif. Voilà, en dehors des saisons. Là, il y a justement le menu d'Halloween. Et puis après, bientôt, il y aura le menu de Noël. Donc on testera ça ensemble. Allez, c'est parti. Je fais la queue et on déguste ça ensemble. On va aller dehors parce qu'il fait super beau. Et toi, Mickey, qu'est-ce que tu vas manger? Ah, mais j'ai plein de pop-corn. Bah oui, le pop-corn, je t'ai dit de ne pas manger le pop-corn. Parce que le pop-corn, ça coupe l'appétit. Oui, je sais, mais j'aime bien le pop-corn. D'accord, d'accord. Toujours des excuses, celui-là. Alors les amis, on est au Cowboy Cock Out, on est dans le fond, on est tranquille. Derrière, il y a Dingo en Halloween qui fait le mythe, c'est super cool, on a une super ambiance. Et donc, on va goûter le menu d'Halloween du Cowboy Cock Out, le menu malicieux. Attendez, j'essaie de vous le montrer un peu. Il y a le dessert. Attendez, je vais regarder le dessert... malicieux, c'est illusion. Et c'est vrai qu'il est très très beau, on va le regarder de plus près après. Après on a un burger. Alors le burger, lui, il s'appelle le burger malicieux. Alors il est composé de haché de bœuf, ketchup de carotte, pickle de carotte,
betterave et oignon rouge, fromage Piper Jack et sauce cheddar. Ça doit être super bon. Voilà. Et puis le reste, bah, classique, un frites ketchup. Et moi, je suis fan du Fanta. Bon, on va commencer par regarder le burger. Bon, j'espère qu'il est joli quand même. Qu'il ressemble un peu à... Ah, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Honnêtement, allez, je vais vous le montrer. Un peu plus. Voilà, voilà. Regardez comme il est beau. Il est sympa, hein. Ça donne faim, hein. Oignon rouge. Je saoule un peu. Du bœuf. Ouais. Du Piper Jack. Ah, c'est bon ça. Bah écoutez, on va goûter ça. Maintenant, on peut goûter ça tout de suite. Voilà. Parce qu'en fin de compte, on va faire dans ce vlog Halloween, on va essayer de faire la food. Bon, on fait Cowboy Cocotte là. Il y aura le Lucky Nuggets à faire. Et puis, ben, on verra s'il y a un autre burger. Peut-être chez Annette. Pourquoi pas, hein? Allez. Mmh. Mmh. Le mélange est... ça fait vraiment backyard américain. On a vraiment l'impression de manger un burger qui est fait à l'arrière d'un jardin dans un barbecue au charbon de bois. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il est possible que le steak il était grillé à la flamme. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, il y a des traces de grille sur le burger, le steak. En tout cas, il y a un super bon goût de grillé. C'est vraiment génial. Mmh. Eh bien, voilà de quoi bien avancer et commencer cette saison d'Halloween. Allez, on se retrouve pour le dessert et on fera une petite conclusion tout à l'heure. Allez, bon appétit. Bah, bon appétit à moi aussi. Je voulais vous dire, l'oignon rouge qui se mélange avec le Piper Jack et le steak grillé avec le pain qui a un goût citrouille, franchement, c'est réussi. C'est bien la première fois que je suis obligé de dire qu'ils ont fait un burger très quali. Et je suis vraiment content, franchement, je suis vraiment trop content. Je pense que s'il y a un prochain séjour, j'en passerai par là. Donc je vous le conseille vraiment de venir au Cowboy Cookout et de demander le menu Halloween, le menu malicieux. Alors on est arrivé au moment que je préfère, c'est le dessert. Alors là, on a une citrouille mandarine avec du chocolat blanc. Et notez, je vais essayer de vous le montrer, là, hop, là, ça fait vraiment trop penser à Phantom Manor, comme quoi, c'est bien géré quand même tout ça, hein. C'est pas fait par hasard. Et je trouve ça très, très joli. Alors, reste à prouver une seule chose, c'est le goût. Alors, déjà, ouh, pas mal. On sent qu'il y a des strates quand on passe à cuillère. Mmh. Mmh. On sent vraiment la mandarine. Ah, c'est comme si vous mangez une mandarine. Avec du chocolat blanc. Ah, c'est vraiment très très bon. C'est une tuerie. Ce dessert est une tuerie. Alors prenez-le parce qu'il est en option, je crois, pour 2 euros. Mais ouais, il vaut le coup. Il vaut le coup. Et comme bah, c'est la saison Halloween, sa durée de vie sera très courte. Donc il faut en profiter. Mmh. Délicieux. Allez. On va finir tout ça. Et puis on va se balader dans le parc après. Allez, à tout à l'heure. C'était vraiment délicieux. Je me suis régalé. Franchement, le Cowboy Cookout à chaque fois, c'est un régal. Et là, avec le burger qu'ils ont fait, ben, je trouve, je me répète encore, mais il est vraiment, il est quali, quoi. Vraiment, je suis très étonné. Et voilà. Donc, bonne adresse. Super. J'ai envie d'aller faire un tour à Phantom Manor. Allez, c'est parti.
j'adore le Phantom Manor. C'est comme la pizza. Je m'en lasserai jamais. Le mec, il parle que de bouffe. C'est un truc de fou. Interrompu notre visite. Veuillez rester bien assis. Nous reprenons dans un instant. De Frontierland, là où se trouve le spectacle de la mère Gothel. Il y a bien sûr le Cowboy Cock Out qui est en ce moment une très bonne adresse pour déguster le menu Halloween à 22€ avec le burger malicieux. D'ailleurs, ce menu vous le trouvez aussi à l'Hyperion, c'est exactement le même. Mais là, ce midi, on va faire un autre menu un peu plus travaillé. C'est celui du Lucky Nuggets. Dont le menu, je crois qu'il a 28. Et bon, un peu plus travaillé, on va aller voir ça. Je pense qu'il y a du monde. De toute façon, il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le parc. Et je passe devant BTM et je m'aperçois qu'il n'y a aucun bruit. Ouais, il n'y a plus personne. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire du monde dans les restaurants et ailleurs ou dans les autres attractions. Mais bon, en tout cas, il fait super beau. Là, il est en train de... Ouais.
Ah oui, il est bien arrêté, BTE. Donc je passe devant Casa de Coco également, mais il n'y a pas de spécialité d'Halloween. Ils auraient pu faire quelque chose, je pense, avec l'histoire de Coco. Je sais pas, des empanadas oranges. Il y aurait quelque chose à faire, des tacos oranges. On aurait pu faire quelque chose, je pense, au niveau des menus Halloween à Casa de Coco. Mais ça, c'est bien... Bon, j'allais dire c'est bien dommage, mais d'un autre côté, on manque pas de choix quand même dans le parc. Là, je suis pas loin du Lucky. Et en parlant justement du Lucky, il y a le Silver Spur. J'ai été regarder leur carte. Leur carte, elle est traditionnelle aussi. Il n'y a rien de fait pour Halloween. Alors que traditionnellement, le... je tourne parce que les gens prennent des photos. Le Silver Spur font des menus pour Noël. Donc, peut-être qu'un jour, ils feront quelque chose pour Halloween. En tout cas, on arrive au Lucky et on va se régaler, je pense. Et c'est vraiment sympa de faire quoi, les 5 minutes de marche et de se retrouver dans l'un des restos les plus sympas en période d'Halloween. Allez, je vous dis à tout de suite. Je suis au Lucky Nuggets. Et c'est le menu cauchemar verrieux. Là, je pense que il sent trop bon, honnêtement. Alors, il est composé de quoi? C'est pas un burger cette année. Cette année, on a le droit à une cocotte aux chocottes. Alors, je la prends. Ouais, c'est assez solide. Voilà, attendez, je vais peut-être même prendre la caméra, je sais pas si... Non, elle me suit. Alors, voilà, il y a du jus dedans, je vais pas la cligner plus que ça, mais... Waouh, ça sent super bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, de la volaille farcie, des patates douces rôties, au paprika fumé, des haricots rouges et pommes de terre violette. Ça, c'est pour les codes couleurs, c'est vraiment sympa. Sauce barbecue aux RL, donc un petit côté canadien, américain, et sablé, salé au charbon, c'est la chauve-souris. Voilà. Voilà, donc on va déjà goûter ce plat qui est vraiment sympathique, c'est vraiment bien présenté. Alors, on va goûter les volailles. C'est vraiment bien dans la sauce. RL. Mmh. Ah, ça nous change du burger. Regardez. Un morceau de volaille. On va essayer de le couper. Mmh. Déjà, c'est super bien cuit, c'est pas sec du tout. Déjà, bon, normal, j'ai envie de dire, ça trempe dans la sauce. Mais ouais, c'est très agréable. Elle a bien un goût de rôti. Pomme de terre violette avec iserelle. Franchement, c'est très très bon. La curiosité, c'est la décoration là. Ça doit pas trop avoir de goût, je pense. C'est juste pour la déco. Alors, ça change des autres versions.
ça a le goût de pain, mais ça n'a pas du tout le goût de charbon. Des fois, c'est un petit goût, vous savez, de charbon là, pour donner cette couleur noire. Non. C'est très très bon. Très très bon. C'est un plat qui réussit. Franchement, ça fait trop travailler le truc. Ça va, pour 28 euros, il y a un dessert avec. Et il y a la boisson. Et t'es servi à table, t'es bien installé. Franchement, c'est pas si cher que ça. La volaille est bonne. Hein. J'ai envie de dire, vous allez rire, presque aussi tendre que les volailles dans les buffets à volonté asiatiques. Vous savez que c'est extrêmement tendre. Et là, c'est pareil, c'est extrêmement tendre, c'est vraiment très très bon. Voilà. Puis, il y a la bière aussi. La bière de Noël. Alors celle-là, Halloween Edition. Un ambré de citrouille ou de potimarron. De potimarron. On va voir ça tout de suite. Effectivement. C'est vraiment en arrière. En arrière-goût, en arrière-fond, il y a un petit goût de potimarron. Délicieux, franchement. On se régale. Donc, on se revoit après pour le dessert. Alors, ma conclusion pour ce plat, la cocotte en chocotte. Ce que je retiens, c'est la subtilité des assemblages. C'est-à-dire que les carottes, les haricots rouges, la sauce barbecue qui est très légère, honnêtement, on dirait presque une sauce soja. Quand je dis légère, c'est vraiment très léger. Enfin, c'est pas la sauce barbecue qu'on trouve dans les hamburgers chez McDo. C'est très délicieux, on n'a pas l'impression de manger un plat qui coûte très cher. C'est vraiment bien étudié. Je me suis régalé. Il reste un peu de sauce au fond de ma cocotte. J'aurais du pain, j'irai la chercher. Pour vous dire à quel point c'est bon. C'est vraiment une très très belle surprise parce que le Lucky Nuggets, depuis quelques années, bien, c'est plus un endroit où on mange rapide et pas cher. Et là, ça monte en gamme, ça fait plaisir. Voilà. Et cette bière est vraiment sympa aussi. Ça, c'est incroyable qu'on puisse mettre tout et n'importe quoi dans les bières. Voilà. En tout cas, on a bien une bière d'Halloween en ce moment au Lucky Nuggets. Donc on se retrouve pour le dessert. Nous voici rendus au dessert. Ah. Ça sent bon. Alors, ce sundae halloweenesque est vraiment très étonnant sur le papier. Je vous lis la description. Alors, le Witch Whippy, glace parfum vanille, ça classique, coulis de potiron et caramel beurre salé. Ok, ça reste un petit peu bizarre, le coulis de potiron, caramel beurre salé, moi c'est classique. Éclat de Dorito, ok, l'apéro dans la glace, et coque de macaron. Et bien on va goûter ça. En tout cas, sur le papier, c'est vraiment très différent. Allez, bah, coque de macaron, ça c'est des coques de macaron. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce coulis de potiron. Avec des éclats de Dorito. Ah ouais, c'est vraiment spécial. Mais c'est bon. T'es en train de me manger une glace apéro. Impressionnant. J'aurais jamais pensé mettre des Doritos dans une glace. Le coulis de potimarron, c'est bien ça, hein? Ah ouais, de potiron. Bon. Coulis de potiron.
ça passe super bien. Et le goûter, le macaron, il a peut-être un parfum ou c'est neutre. Non, il a un goût de macaron neutre, un petit peu légèrement sucré, mais c'est tout. Mais franchement, ça passe hyper bien avec la glace. Qui aurait pensé faire ça un jour, manger un macaron avec de la glace. Décidément, le liquide d'air cette année me surprend. On avait l'habitude des burgers halloweenesques, voilà, on peut les changer, pain noir avec des sauces un peu au sang, des visuels un petit peu avec des yeux, tout ça. Là, cette année, ils nous ont fait quelque chose de très quali, vraiment très quali, et ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, merci. En tout cas, à ceux qui ont décidé de faire ça, merci, parce que c'est très très bon et ça nous change et c'est délicieux. Décidément, cette année est une année de découverte et d'étonnement. Alors, ben venez au Lucky et puis prenez le menu de Noël. Mais il fallait que je fasse erreur. Prenez le menu d'Halloween et vous ne serez pas déçus. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne dégustation et venez vraiment essayer ce menu ici. Et voilà, mais écoutez, on se retrouve dehors pour peut-être une conclusion et puis on va aller voir autre chose. À tout à l'heure. Voilà, donc je sors du Lucky et en conclusion, j'ai envie de dire que j'étais hyper agréablement surpris. Tellement on a l'habitude au Lucky pour les saisons d'avoir quelque chose de très très basique. Là, cette fois-ci, ils nous ont fait quelque chose quand même d'assez travaillé, du goût. C'est quand tu réfléchis bien, parce que ça demande un petit peu de temps, quoi, de réflexion, c'est vraiment un plat qui est très américain de la part de ses composants. La sauce barbecue, il y a des haricots rouges, c'est vraiment très cow-boy quelque part. C'est très Far West, mais en tout cas, ils ont réussi à assembler ces éléments pour faire quelque chose de très agréable. Et franchement, je n'ai qu'une envie, c'est peut-être d'y retourner avant la fin de la saison, au moins une fois. Mais bon, voilà, il y a d'autres tests à faire, on va voir. Surprise pour ce week-end et peut-être encore pour une autre visite avant la fin de la saison. Voilà, je vous en dis pas plus. Maintenant, on va continuer à vlogger, c'est-à-dire qu'on va continuer à filmer un petit peu. Je vais retourner sur le hub pour filmer la parade. Voilà, voilà. Allez, et puis on se retrouve après pour plein de choses, puisque Halloween, c'est vraiment très très chargé comme programme à Disneyland Paris. Ça y est, on va tester notre dernier restaurant qui traite du menu Halloween. C'est Il faut sortir des parcs. C'est Annette Diners qui sort un menu Halloween. On va aller voir ça maintenant. Et puis on va se régaler. Allez, en plus,
Le temps, il est un petit peu humide, mais franchement, ça va. Il tombe pas des cordes. Ça reste très agréable. Je comprends même pas pourquoi certains ont sorti les parapluies ou sont carrément avec des ponchos. Ouais, il y a trois gouttes. Il y a trois gouttes, frérot. Tu vas sortir. Il sort le poncho. Bah, il doit habiter le sud, quoi. Il n'a pas l'habitude d'avoir un peu de pluie, quoi. Voilà, donc on arrive au Disney Village, on se retrouve à la nette. Alors on est à la nette, on est bien installé. Moi j'adore ces places-là, là, le type comptoir comme on trouve dans les diners américains. Quand tu es tout seul, c'est vraiment excellent. En plus, tu as vu sur les cuisines. Donc tu vois ce qu'ils sont en train de te préparer pour toi. C'est vraiment un beau spectacle. Je vous montre. Attendez, je reprends la caméra. Hop, regardez. Là, voilà. Je ne sais pas si on peut zoomer un peu. Là, vous voyez la sortie des plats. Et vas-y, vas-y, dose bien, mets de la sauce. Ça, c'est bon. C'est très généreux en plus comme cuisine. La nette, ils sont spécialisés dans les burgers. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est vraiment les meilleurs burgers du resort. Alors, on va justement regarder un petit peu... ce qu'il y a dans le burger du capitaine, du pain à l'encre de sèche, donc il doit y avoir un petit goût quand même. Double steak haché de bœuf, ok, cuit à point, il te demande la cuisson. Hein. Relish de légumes, je pense que c'est un mélange. Fromage Pepper Jack, excellent choix. Portabella, cuit à la sauce soja. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder sur internet ce que c'est. Sauce au cheddar fondu, en classique, à la pistache. À la pistache. Alors, je sais pas si on va trouver le goût, parce que déjà, la pistache, c'est un goût qui est très subtil. Butternut rôti au piment d'Espelette, ça c'est super bon. Chorizo et sablé salé. Au charbon végétal, donc encore du charbon, d'avoir un petit goût aussi, mais ça doit pas être méchant. Accompagné de crème à l'avocat et de bouchées de râpé de pommes de terre croustillantes. Alors un sacré descriptif, on croirait que l'on mange dans un gastro. Donc j'attends de voir le burger arriver. Alors les amis, je suis stupéfait. C'est bien la première fois que je vois un burger qui ressemble quasiment pixel pour pixel à la présentation qui nous est vendue. En fin de compte, souvent on nous vend du rêve et là on nous a vendu la réalité. Je vous le montre, il est trop beau, sérieux. Il est magnifique. En plus, je pense qu'au niveau goût, ça va être très intéressant. Donc on va le goûter tout de suite. Allez, hop, je vais mettre là la description. Déjà, je vais goûter cette crème. C'est de l'avocat, je crois. Hein. Caché à fromage fondu, pistache, butternut, c'est long. Hein. C'est très fort, un truc de ton. Alors, accompagné de crème d'avocat. Allez. Pas très bon. Alors ça c'est les pommes de terre. Alors ils ont appelé ça comment? C'est bouché de râpé de pommes de terre croustillantes. D'accord. C'est une sorte de pomme dauphine maison, quoi.
Zéro. Ah, c'est très très bon. Très très bon, ça se marie bien avec du ketchup. Ouais, c'est parfait. Alors ça, je vais l'enlever. Hop. Dommage que le petit crochet s'est cassé, mais bon, c'est tellement fragile, j'imagine. Voilà, ça se casse rien. C'est un sablé. C'est un sablé, le crochet. Il est Captain Hook. Ça, c'est une vidéo pour Wonder Hook. Voilà la blague à deux balles. Donc le pain à l'encre de sèche. Alors déjà, je vais vous dire si il a du goût. Je vais commencer. Ce que je vais faire, j'ai coupé une tranche du burger. Par contre, le petit truc qui aurait été bien, c'est qu'il donne des couteaux à steak. Des couteaux pour couper les burgers sans les défoncer complètement. Bon, on va y arriver. On va. Voilà. Regardez là. C'est bien. Hein, c'est vraiment goûteux. Allez, on va goûter ça. On va goûter élément par élément. Alors on va goûter le pain. On a le pain à part. Alors, on a l'impression que le pain il est aillé. Et après, ça doit être ça le relish de légumes. Ouais. Ensuite, on a le steak. Le steak. Pour l'instant, je vous dis, tout est bon. Hein. Et du coup, ouais. Je vais manger le Pepper Jack. Le Pepper Jack, c'est vraiment très bon aussi. Ah oui. Il y a deux choses là. Regardez. Hop. Ça doit peut-être être ça. Il y a une épaisseur. C'est bizarre, on dirait un bout de champignon, mais énorme. En tout cas, c'est très bon. Après, on a le steak. On a le goût du rapalino. Un petit peu, ça va. Je vous rassure. C'est très mangeable, c'est juste au goût sans piquant. Heureusement. Eh bien les amis, sans conteste, c'est sûrement le meilleur burger de tout le réseau, encore une fois. Bravo à Ned Diner. J'ai juste un doute, c'est le fromage. Ah oui, il est derrière. Annie, ça marche pas. Il doit être complètement fondu le fromage. Ouais, c'est ça. Il est bon. Hein. Il a un goût, effectivement. Pepper Jack. Ouais. Non, Pepper Jack, mais il est tellement bon. J'ai l'impression qu'il avait un goût curry, mais c'est le mélange des sauces. Honnêtement, il faut aller goûter ce burger. Elle est vraiment très très bon. Donc voilà, j'ai à peine goûté. Donc, je vous invite à venir le déguster à la nette. Il coûte 23 euros, mais avec une réduction d'un pass annuel, vous paierez un peu moins cher. Et honnêtement, c'est un bon tarif. C'est un bon tarif parce que c'est très quali. Voilà. Donc on se retrouve après
pour le dessert. Ouais, il y a un dessert. Allez, à tout à l'heure. Alors, on est rendu à ce que beaucoup disent, le moment le plus agréable d'un repas, c'est le dessert. Et là, en ce moment, ils font le milkshake sensationnel. Alors, est-ce que le milkshake sensationnel est aussi vrai que l'affiche? Eh bien, moi, je trouve qu'il est très réussi. Regardez, voilà. On a l'œil, sûrement du chocolat blanc. On a l'araignée, c'est le bonbon. Un bonbon, voilà, bonbon d'Halloween hein, qu'on trouvera partout. Le gâteau Red Velvet, voilà. Et la glace vanille pistache. Cette année, on en a pour le pistache. Mais on va goûter ça. Hein. Allez, je vais... Ah, ça va, la cuillère, j'ai eu peur que tout se barre. Alors, vanille pistache. C'est léger. Le pistache, on le sent. Hein. Et voilà, c'est pas une glace pistache non plus. Bon, crème fouettée. Gâteau Red Velvet. Très très bon. Et l'araignée, mais ils nous mettent l'araignée dessus. Mais, et si je veux pas la manger tout de suite. Alors. Crème fouettée. Je te mangerai. Hein. T'inquiète pas, je vais te manger. Gâteau Red Velvet avec la crème fouettée. Très sympa. Et l'œil, il est sûrement. Waouh, il y a un travail de dingue sur l'œil. Ah mais il est gélatineux, je te jure. C'est des vrais yeux qu'on mange. Oh, oh, ça c'est... Allez, on va le gober. C'est un bonbon. Excellent. Bonbon. Hein. Un goût citronné. Citron. Orange. On est à... Et la goût agrume. J'ai bien la goût agrume. Hein. Mais sûrement pas d'agrume dedans. Bon. On va y aller pour l'araignée. Ces bonbons, ils ont tous le même goût. Alors, la mienne était jaune, donc je pense qu'elle a un goût agrume. Et si tu as la chance d'avoir la rouge, peut-être que tu auras un goût fruit rouge ou fraise, ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est un super dessert, honnêtement. Pour finir la saison d'Halloween, la food Halloween pour ce vlog, finir sur ce dessert. Franchement, encore une fois, merci Disneyland Paris et puis le Annette Diner qui reste pour moi une référence pour ce qui est de la food saisonnelle. C'est parce qu'à Noël, on va en avoir encore. Et c'est toujours top. Jamais été déçu par le Annette. Allez, les enfants. Je vais finir ce dessert et puis on va retourner un petit peu dans le parc là, pour faire quelques petites prises de vue pour finir ce vlog. Voilà, donc bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure à Frontier. Alors, voilà, bah, j'allais plier la caméra et quand j'ai enlevé la crème fouettée, en dessous il y a bien le milkshake. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, il a une jolie petite couleur verte, vert pâle, qui est la vraie couleur de la pistache. Voilà, donc... Je goûte. Ah, c'est délicieux. Sérieusement, c'est délicieux. Voilà. Je vous recommande ce superbe dessert. Allez,
On se retrouve après voilà, dans le je parc. Sors de la nette et j'ai super bien mangé. J'ai passé un super moment. Et bon, ça ne se voit pas dans ce que j'avais filmé pendant que je mangeais. Mais le responsable du restaurant est venu me voir, me demander si c'était correct, ce que j'en pensais. Et je leur ai dit la même chose que pour vous. Et ils m'ont dit que ça confirmait bien ce qu'ils pensaient. Parce qu'évidemment, avant de servir un repas, ils font des tests. Ils font des blind tests, ils font tester les goûts, les saveurs, les couleurs, un peu au personnel. Et franchement, ouais, il est très très bon. Et la deuxième personne qui est venue me demander pour le dessert, et ben, je leur ai dit que c'était très agrume et le mélange avec le pistache, c'est très très bon. Et voilà, en tout cas, ce qu'il y a aussi, j'ai dit, c'était très généreux, quoi. C'est très très généreux. Donc vous sortez de là, vous avez plus faim, vous avez plus faim. Là, pour les deux desserts, avec la réduction passe annuelle, j'en ai eu pour 39 euros. Et il y avait en plus une petite boisson à côté qui a coûté un petit peu plus cher, genre 8 euros. Et donc 31 euros. Parce que ces 8 euros-là ne sont pas déductibles, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je me dirige au parc et je vais faire un petit tour à Frontier. Dear friends, please welcome the charming and vain Mother Gotham. Bonjour, bonjour mes chéris, welcome my lovely angels. Don't be shy, ne soyez pas timide. I know you're all here to witness the magnificent that is moi, Mother Gothel. Oh, please, hold your applause. Oh, please, oh, I mean really, hold it. Gardez vos applaudissements pour tout à l'heure. First, let me tell you a little story. Une histoire, mes chers amis, pleine de magie, de jeunesse éternelle et bien sûr de... moi! Car, à quoi bon vous raconter une histoire si elle ne parle pas de... moi! Mais... Gothel! Now, I know what you're all thinking. How does she stay so... fabulous? What's her secret? How can it be like her? Comment fait-elle pour rester aussi éblouissante face au temps qui passe? Pourrais-je un jour être aussi belle qu'elle? Alors, à votre avis, quel est mon secret? What's my secret? Une idée? Any ideas? Oui? La fleur, oui, bien sûr, très chère. Mais pas que. Une autre idée? Une... oui? Réponse aussi, bien sûr, avec ses beaux cheveux. Quelqu'un d'autre a une autre idée? Dis-moi, dis oui. La magie, mais la belle magie. Bon, 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 mes petits bijoux. Let me tell you something. Le temps est notre ennemi. Oui, même pour une beauté intemporelle comme moi. Le temps passe, les rides apparaissent, et la loi de la gravité n'épargne pas nos pommettes. Et je suis sûre que certains d'entre vous savent de quoi je parle. It looks like some of you had a few more birthdays than they would care to admit. I'm just kidding, darlings. Am I? Maybe. Maybe not. Bref, je vous ai promis une histoire, non? Qui veut entendre mon histoire? Je n'entends rien. Oui. Who would like to hear my story? Oui. Oh, vous n'êtes quand même pas venu jusqu'ici simplement pour m'admirer. C'est pas la peine de répondre, c'était purement rhétorique. Well, let me tell you a tale. A tale of you, beauty, and let's call it creative parenting. Tout a commencé avec une fleur. Il y a fort longtemps, une goutte de soleil est tombée des cieux et a fait pousser une fleur. Pas une simple pâquerette, ni de la tulipe d'étal de marché, non, non, non. Une fleur magique. A golden flower. Cette fleur avait la capacité de guérir n'importe quelle maladie ou blessure mortelle. But this flower could also delay aging and keep you young forever. Which of course is the part that interests me the most. Et comme vous pouvez l'imaginer,
J'étais très intéressée à l'idée de rester jeune éternellement. Qui ne le serait pas, n'est-ce pas? Qui ici rêverait de rester jeune pour toujours? Vous? You? Vous? You? Et why? Pourquoi? Pourquoi? Alors, pourquoi vous voulez rester jeune? Oh. Pour avoir des enfants plus longtemps, oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Et une autre raison? Oui, pourquoi vous voulez rester jeune pour toujours? Pour être belle comme moi? Très bonne réponse. Alors moi, j'ai fait ce que n'importe quelle femme ingénieuse, charmante et oserais-je dire brillante ferait. J'ai pris la fleur et je l'ai partagée. Avec moi. Enfin, avec moi. Oh, sharing the flower. Not a chance. Mais les gardes du royaume ont trouvé ma fleur et ont utilisé sa magie pour guérir sa majesté la reine. Oh, and guess what? The queen gave birth to a beautiful little girl with hair as golden and magical as the flower itself. Sasui. J'aurais pu laisser l'aigreur et la colère s'emparer de moi, mais non. J'ai pris l'enfant, tout simplement. Yes, I took Rapunzel. Oh, please! Raising a child is quite a challenge. Especially one with hair that's 20 meters long. Mais je l'ai fait. Je l'ai gardé en sécurité. Je l'ai élevé. Et est-ce que j'ai eu un merci? No! Years of dedication and not even a single thank you! Kids these days, je vous jure! Bref, tout était parfait! Réponse était choyée! Et moi, j'avais la garantie de rester sublime pour toujours! Tout allait pour le mieux! Jusqu'à ce que ce gredin, ce vaurien de Finn Rider, décide de jouer les héros. Make Finn Rider, Rapunzel is out there, making friends with thieves and ruffians and... Oh, falling in love? Really? Oh. If there's one thing we need to remember from all this, is that I have been the best mother anyone could ever hope for. Truly, no one could have done it better. So, remember me, Mother Gothel, like the one who truly understood the value of family. Ah, et en parlant du sens de la famille, vous là, oui, avec les yeux écarquillés. Est-ce que vous savez combien de shampoings il est nécessaire pour entretenir des cheveux comme ceux de Rapunzel? Non? Quelqu'un a une idée? Combien? Oui. Oh, 220, ça a fait suffisant pour 2 jours. Encore plus? Devinez, oui. Encore plus que 300, combien? Combien? 1000, mais encore plus! 3000, encore plus, enfin! 600 trilliards, 800 000 shampoings! Des litres, je vous dis, who would even dare say, I didn't take care of Rapunzel? Seriously, who? Vous? You? Who? You? And don't even get me started on the brushing. 20 meters of golden locks every day. And did she ever appreciate it? Non! Réponse, tout ce qu'elle voulait, c'était sortir, aller voir les lanternes et danser la gigue avec des inconnus. Oh, la gigue! Qui danse la gigue? Vous dansez la gigue, vous? Non, on est d'accord. Non, non, personne ne danse. Vous dansez la gigue? Non. Vous dansez la gigue là-bas au loin? Non, on est d'accord. Ici, on danse la gigue? Non, personne ne danse la gigue. Oh, bref. Oh. Il faut maintenant que je trouve une nouvelle source de jeunesse éternelle. I need to find another way to keep this glow. Mais ce n'est pas si simple. It's not easy, you know. I've tried everything. Drinking unicorn tears, bathing in moonlight, even whispering sweet nothing to ancient oak trees.
Mais nothing quite hits a mark. J'ai même envisagé d'ouvrir un spa où tous les soins se rabassent d'écailles de dragon. Exfoliation maximum garantie. Oh, so you see, my quest for eternal youth is far from over. It's a never-ending adventure. And trust me, I had plenty of time to think about it. Being eternal gives you time for reflection. Et comme l'éternité, ça laisse du temps pour réfléchir, j'ai réalisé, mes agneaux, que la clé est dans l'attitude, dans la manière dont on porte le poids des années. And remember, age is just a number. And mine is enlisted. If anyone asks me how old I am, I just say, timeless, darling, like a work of art. Et vous devriez faire pareil. Si on vous demande quel âge vous avez, dites simplement que vous êtes intemporel. Bon, et si vous n'avez pas de fleurs magiques à porter de main, a good skincare routine and a bit of selective lighting can do wonders. Look at me! Oh, trust me, darling. Mother knows best and just stay fabulous. Alors, mes très chers, embrassez le temps qui passe. Mais n'oubliez pas, vous êtes jeune aussi longtemps que vous décidez de l'être. Et que votre pot de crème hydratante reste plein. If you need any more tips on staying young and beautiful, you know where to find me. Après tout, qui d'autre que moi pourrait mieux vous conseiller? N'écoute que moi. Et que finalement le temps n'a que le pouvoir que celui que vous décidez de lui donner. Arrêtons-le un instant pour que vous puissiez profiter de moi exactement. Allez-y, c'est le moment de m'immortaliser à vos côtés. Come, let's capture this moment of eternal beauty. Oh, qui va être immortalisé à mes côtés? Yes, on va commencer avec vous. Venez par ici. Oh, là, vous êtes resplendissant. Quel est votre secret? L'amour. Oh, que c'est beau. Oh oui, oh, je connais. Oui. Oh, quelle posture. Oh oui. Hello, hello. Ah là là. Les moments où on termine le séjour, c'est toujours un petit peu un petit pincement au cœur. Mais on sait très bien que comme les jours défilent et reviennent, il y aura bien sûr une nouvelle visite. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est là-dessus que je termine mon vlog sur Halloween. Donc les trois expériences food que j'ai faites m'ont vraiment satisfait. Le premier que j'ai fait, c'était au Cowboy Cock Out avec le menu malicieux, c'est bien ça. Et bien le même menu se retrouve à l'Hyperion, donc j'ai pas été le faire à l'Hyperion, mais en termes d'ambiance, je vous conseille quand même d'aller le prendre au Cowboy Cock Out. En plus, à côté du Cowboy Cock Out, il y a souvent Dingo qui est en squelette pour Halloween. Donc ça rajoute en plus une thématisation qui est plus en adéquation avec le menu. L'Hyperion, il n'y a rien d'Halloween. En plus, voilà quoi, je ne vais pas vous dire ce que je pense de l'Hyperion, mais bon, c'est brouhaha, c'est un peu froid et en plus les burgers sont froids. Allez au Cowboy Cock Out. Deuxième expérience, le Lucky Nugget. Le Lucky Nugget, alors là c'était un raffinement. C'était vraiment différent. Souvent au Lucky, c'est soit burger ou ribs. Donc c'est très traditionnel américain. Et cette fois-ci, ils ont fait l'effort de nous envoyer un plat qui est assez travaillé. Cette cocotte chocotte. Eh bien, ces volailles qui sont dans une sauce barbecue. Alors, ils disent sauce barbecue, mais c'est très léger. Avec des haricots rouges, des pommes de terre rouges. Franchement, c'est très Halloween.
et c'est très travaillé, c'est très très bon. Juste un petit truc, par rapport à ce plat, j'aurais voulu aimer qu'il y en ait un peu plus, juste un peu plus. Mais bon voilà, comme on se dit, on mange tellement de cochonneries dans le parc que quand on nous limite un petit peu en calories, on va pas dire non. Sinon, c'est extraordinaire, ce plat est vraiment travaillé et digne d'un restaurant. Le dessert du Lucky Nugget Sunday Coulis-Potiron, eh bien il était très très bon, c'est très léger. Alors c'est étrange parce que sur l'affiche, on voit le Sunday, t'as le coulis de potiron, mais en plus on aura l'impression qu'il y aura un coulis coloré chocolat, mais non, il est très... c'est glace vanille avec coulis potiron simplement. Mais sinon, les macarons en forme qui font la tête de Mickey, franchement, c'est un dessert qui est très très beau et très très bon. J'ai oublié de parler du dessert du Cowboy Cookout, qui est une mini citrouille, mais elle est couleur rouge, c'est-à-dire elle est fruits rouges, les mandarines. Mandarines et chocolat blanc, et ça va très très bien ensemble. Et le fruit, je disais fruit rouge parce que c'était la couleur du dessus qui n'a absolument rien à voir avec la mandarine. Parce que c'est un orange sanguine, quoi. C'est ça, ça trompe un petit peu. Voilà pourquoi j'ai dit que je voulais pas dire. Oh là là, il y a du monde, je suis en train d'éviter les enfants. C'est un truc de fou. Ah là là. Voilà, les deux desserts sont vraiment très bons et je vais vous parler du meilleur pour la fin. Le menu que j'ai fait à Annette Diners, mais le problème c'est que je dis toujours, tu vois, il faut sortir du parc pour aller au Disney Village pour enfin avoir un vrai burger. Et là, minute de silence aussi. C'est un truc de fou. Annette, c'est le meilleur des burgers de tout le resort. Je le dis toujours, c'est le meilleur de tout le resort. Là, le burger, en plus, visuellement, il ressemblait trop à l'affiche. Vous savez, souvent, dans les publicités pour vous vendre un burger, oh, c'est magnifique, il est gros, il a l'air d'être juteux, il est généreux et tout. Et puis, quand vous le recevrez, c'est un truc aplati, écrasé, voilà. Je vous fais pas le dessin. Et là, franchement, il est aussi beau que sur l'affiche. Et en termes de produits à l'intérieur, c'est juste incroyable. La liste, elle est hyper longue. On a l'impression que c'est un repas gastronomique. Alors, ce burger, si je me rappelle bien, il y a deux steaks déjà. Il y a du pepper jack. En accompagnement autour, il y a une crème d'avocat. Il y a des sortes de... des pommes. C'est pas des pommes de fines, ça ressemble. C'est de la pomme de terre râpée, compactée, et ils ont fait des petits beignets. C'est super bon. Dans le burger, il y a, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à l'instant, du pepper jack, des steaks. Il y a des légumes, il y a pas mal de légumes. Il y a quoi d'autre encore? Il y a du rapaleno, mais vous avez le goût, mais pas le piquant. Voilà. Et la fin du burger, le pain noir. Le pain noir qui, c'est l'encre de sèche, si je ne me trompe pas. En tout cas, il n'a pas de goût. Il n'a pas un goût charbon, comme le biscuit qui fait le hook, qui fait le crochet. Lui, il est au charbon et on ressent le goût. Mais bon, c'est très léger. C'est vraiment agréable. Et donc, ce burger-là est une véritable réussite. Le mélange des saveurs qu'il y a dans ce burger fait que déjà il est tellement gros que tu vas pas le croquer comme un burger McDo. Tu vas le découper, tu vas le démonter. Et tu vas démonter, en le démontant, tu vas prendre un petit morceau, un autre morceau, tu dis waouh, c'est un truc de fou. En tout cas voilà, ce burger est très très bon. Et puis visuellement, ça tape. Ils ont fait l'assiette aussi. L'assiette, je pense qu'elle est de... j'ai jamais vu cette assiette-là. L'assiette, elle est faite pour le burger. La présentation, ça compte. Ensuite, le dessert de Annette, c'est un milkshake, je sais plus son nom, mais voilà quoi, avec un œil et une araignée, avec le milkshake à base vanille, pistache, puis la crème fouettée évidemment,
La crème fouettée, s'il n'y a pas de crème fouettée, c'est pas un dessert. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très très bon. Voilà, ce vlog se termine. J'ai passé un super bon moment. Quand est-ce qu'on revient? On revient peut-être très bientôt. Parce que la saison Halloween, ici, elle est juste extraordinaire. Et... Ouais, voilà quoi. Cette saison, elle est juste trop bien réussie cette année. Et franchement, je vous recommande de faire l'effort, de vous déplacer, de venir voir Halloween à Disneyland Paris. C'est vraiment magique. En tout cas, pendant les deux jours, le vendredi, samedi, on a eu du beau temps. Aujourd'hui, ça se gâte un petit peu. Bon, après, ça va. Vous voyez, on peut se balader dans la Main Street sans poncho, sans parapluie, donc ça va très bien. Enfin, et puis même s'il y a des fois un petit peu d'eau, quelques gouttes, franchement, ça ne va pas gâcher l'expérience. Le seul risque qu'il y a, s'il y a trop d'eau, c'est par exemple le soir, le show des drones niette. Et s'il y a trop de vent, le show des drones niette aussi. Quoi. Donc, c'est les deux choses qui font que les spectacles nocturnes peuvent être annulés. Et aussi les parades. Il faut savoir que pour les danseurs, danser sur une surface complètement mouillée, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut se mettre à leur place. C'est normal qu'en cas de trop grosse pluie, les parades soient annulées. Ou des fois, ils annulent pas tout, ils mixent. C'est-à-dire qu'ils font la parade, mais ils ne font pas le show-stop. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, moi, je vous dis à très bientôt. Et abonnez-vous, likez, et puis mettez-moi des commentaires. Je réponds toujours avec un grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.